monde, c'est Mathieu. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. On est chez moi. Et oui, on est chez moi. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, on va se poser, on va papoter ensemble. C'est un truc que je fais rarement parce que je sais pas si ça plaît, les vidéos lifestyle, les vidéos vlog, c'est un petit peu ça, hein, un peu le même genre, voilà. Je vais éteindre la télé, j'ai fini, ça y est, une série qui s'appelle The Fosters. C'était sur Disney+, et elle est vraiment bien et ça me touche encore plus, moi qui suis adoptée. Et The Foster, ça parle d'une famille de deux femmes, voilà, qui sont en couple et qui ont son famille d'accueil et qui adoptent des enfants. C'est plein de choses, 5 saisons, c'est pas que ça, mais on va dire qu'il y a plein d'histoires autour et tout, donc c'est trop bien. Et la suite, c'est Good Trouble. Et donc du coup voilà. Donc on va aller faire un petit café. On est chez moi, posé. C'est vrai que je fais beaucoup de vidéos, mais au final je fais pas beaucoup de vidéos où je suis juste là, face caméra et en train de parler. Et c'est vrai que ça me manque, parce que c'est vrai que quand j'ai commencé ma chaîne, c'était pour ça en fait. Voilà, que je faisais ma chaîne, c'était pour des petits coins neufs, de petits moments face à caméra, et puis on papote, et puis on parle de tout, un petit peu de rien, et puis voilà quoi. C'est un peu le bazar chez moi. Je vais vous montrer. Bon, déjà c'est bien, il fait beau, donc ça c'est cool, il fait super beau. Regardez. Non, non, il fait beau, donc ça c'est bien, mais par contre c'est le bazar. Alors, je vous montre mon bureau. Oh là là, je suis désolée. Je suis désolée pour le bazar de mon bureau, je vais vous montrer ça. Voilà. Regardez-moi ça. Ah, il faut que je range. Il faut que je range. Et je le sais qu'il faut que je range. Et je le sais qu'il faut que je range. Mais là, on va aller faire le café. Donc d'abord, j'éteins la télé. Hop là. Tac. C'est bon. Et on va aller faire un petit café. Et comme ça, au moins, et ben, on va se poser après. Voilà. Donc on y va. C'est parti. Let's go. Allons-y. Vous avez un petit aperçu de chez moi. Et il y a un endroit que j'adore chez moi. C'est, je regarde pas bien à chaque fois, mon Dieu. En fait, en gros, que je vous explique, je regarde le retour au lieu de regarder la caméra. Vous voyez un petit peu le genre? Voilà, ben c'est un peu ça. Ouais, j'adore cet endroit-là, c'est la rambarde. La rambarde, qu'est-ce que c'est? Certains vont dire, mais de quoi il parle? De quoi tu parles, Mathieu? Hein? Ben c'est la rambarde. Et oui, c'est la rambarde. C'est la rambarde parce que moi, je suis en duplex. Donc, je vais vous montrer ça. En fait, c'est la rambarde qui est là. Voilà, c'est là. Et en fait, quand je suis ici, ben, je me sens un petit peu à parler au peuple. Vous voyez? Non, je rigole. Non, mais c'est vrai. En fait, j'ai un petit escalier et il est adorable. Et je fais un petit coin là-bas, ouais, en face avec des petits trucs et tout. Ben, vous voyez, j'ai pas fait le lit. Bon, je sais pas bien. Mathieu, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, hein. On va aller se faire un petit café et puis on va se poser. Et c'est vrai que cet endroit-là, je l'adore. C'est la rambarde, je sais. Il faut pas faire attention à l'heure. J'ai pas changé la pile. Non, mais il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. Il faut que je change. Mais bon, il faut que je trouve. Voilà. Mais c'est bien d'avoir des petits endroits chez vous que vous aimez bien. Sachez-le. Et alors, j'ai eu un vrai coup de cœur pour cet appartement qui est un peu sous les toits, un peu atypique, hein, parce que je vous l'avais déjà montré, je crois, hein. J'ai des petites pièces, tout ça et tout. Là, c'est la salle de bain, mais bon, c'est pas super intéressant. Là-bas, c'est la chambre, voilà. Et bien sûr, le duplex, et en bas, ça va pour la cuisine et la salle à manger. Voilà. Et c'est vrai que j'ai eu un petit coup de cœur et j'ai marché complètement en coup de cœur pour acheter cet appartement. Le truc, c'est que c'est vrai que je m'aperçois qu'il y a quand même des petits inconvénients dans le sens où j'ai plus fonctionné au coup de cœur qu'au niveau pratique. Et ça, c'est un peu dommage. Et c'est ce que, justement, faites attention à ça, vraiment. Parce que certains achètent coup de cœur, mais sans se rendre compte des petites choses. Moi, j'ai plein de problèmes de la copropriété. Oh, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et donc, du coup, voilà. Donc, faites attention, vraiment, quand vous achetez ou quand vous choisissez un logement. Et ben vraiment, 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 faites attention. Parce que des fois, on est. Ben moi, il y a plein de problèmes avec la copropriété, j'étais pas au courant. J'aurais pu faire une enquête par rapport aux voisins, tout ça. Maintenant, voilà, ça s'arrange un petit peu, tout ça. Mais il y a encore des petits soucis. Donc voilà, c'est comme ça. Bon, on va faire un petit café, mais sinon, c'est vrai que marcher en coup de cœur pour prendre un appartement, pour prendre en louer ou l'acheter,
C'est bien aussi, mais il faut que ne pas oublier ce qui, voilà, de bien, bien, bien tout regarder, de tout bien savoir, comme ça au moins vous n'êtes pas déçus. Vous allez sûrement me demander, mais pourquoi il y a cette tête de lit ici? Eh oui, parce qu'en fait ça c'est une tête de lit qui avant était sur le lit, là-bas. Et en fait, que je vous explique, la tête de lit qui est là, celle-ci là, en fait elle servait avant dans la chambre. Le truc c'est que en fait, j'ai cassé. En voulant changer la disposition de ma chambre, j'ai cassé les pieds de mon lit. Donc, en cassant les pieds de mon lit, eh ben, j'avais plus de pieds. Donc maintenant, je dors à même le sol. Non, non, je dors pas à même le sol, hein. Il y a quand même un sommier, hein, on est d'accord. Il y a quand même un sommier, mais les pieds, en fait, ils sont là. Je vais vous montrer. Ils sont là, en fait, les pieds. Ils sont dans cette petite boîte-là et ils sont là. Il faut que je les change. J'adore cette étagère de bambou. Vraiment. J'adore cette étagère de bambou. Et d'ailleurs, au niveau plantes, si vous cherchez des plantes, franchement, ne prenez pas des plantes vertes. Prenez par exemple, voilà, ça demande pas beaucoup d'entretien, c'est de l'aloe vera. Et aussi, je vais vous montrer, il y a un truc qu'il faut prendre. Bon, les fausses plantes, bien sûr, vous pouvez prendre. Et en plus, surtout que maintenant, je vais vous montrer, il y a des fausses plantes qui font super sympa. Et voilà, là. Et celle-ci aussi, par exemple, voilà, qui est très très bien. Et je l'ai mis dans un petit truc de cocotier. Vous voyez, et ça rend super bien. Mais prenez aussi des cactus. Regardez ici. Ce coin-là, j'adore. Franchement, je vous dis la vérité, il faut mettre des petits coins que vous adorez chez vous. Parce que franchement, ça, c'est trop bien. C'est vraiment, franchement, un petit coin que j'aime énormément. Pourquoi? Bah, parce qu'il est éclectique, qu'on appelle ça. Ça veut dire que c'est un mélange de plein de choses. Vous avez du côté asiatique. Parce que vous savez, moi je viens de l'île de la Réunion et d'autant plus que j'ai vraiment une. C'est pas forcément parce que je viens de l'île de la Réunion, mais c'est que je suis très tournée de ce côté-là. Et d'ailleurs, je risque même peut-être un jour de m'intéresser au bouddhisme vraiment à fond, parce que c'est quelque chose, je pense, qui me correspondrait. Vous voyez? Normalement, j'étais partie pour faire un café, hein, mais au final, on va papoter. Et puis l'Égypte. J'adore l'Égypte. Donc là, en fait, c'est un vrai papyrus, voilà, qui est ici et qu'on m'a ramené d'Égypte quand j'étais animateur. Et c'est un collègue à moi qui me l'avait ramené parce qu'il savait que j'adorais l'Égypte. Et puis voilà. Donc le petit pain, très bien, on adore. Franchement, j'adore le petit pain. Et le petit temple où, à l'intérieur de ce petit temple-là, il y a des petits papiers. Et sur les petits papiers, en fait, il y a des choses qu'on écrit pour le nouvel an. Sachez-le. À la base, c'était dans une boule de verre que j'ai encore gardée. Et du coup, je les ai mis dans le petit temple. Normalement, ce petit temple-là, celui-ci-là, ici, il est dans l'aquarium. Voilà. Mais je l'ai récupéré pour en faire une petite décoration. Et bien sûr, la fausse plante, là, on voit quand on s'approche que c'est une fausse plante. On est d'accord. Ça se voit. Mais c'est joli de loin. Vraiment, regardez. De loin, franchement, c'est sympa. On est d'accord. Et cette commode, alors cette commode-là, on l'a trouvée dans la rue. C'est-à-dire que les gens voulaient s'en débarrasser. Et en fait, j'adore parce qu'elle fait bohème. Je sais pas comment dire. Là, par exemple, vous voyez les petites poignées, comme ça, elles sont toutes différentes. Elles sont toutes. Moi, je mets mon linge dedans, hein. C'est-à-dire qu'il y a tous mes draps, tout ça. Et franchement, j'adore cette commande. Elle est trop belle, elle est trop atypique, elle est super sympa. Et puis voilà. Donc, on va descendre et on va chercher le café. Et oui, ça c'est important aussi. Mais sachez que vous pouvez récupérer tellement de choses, que ce soit dans la rue, aux encombrants, tout ça. D'ailleurs, la lampe que je vais vous montrer, pareil, encombrant, et je l'adore. Je vais vous montrer. Elle est là, c'est celle-ci. Vous voyez? Et franchement, elle est top. Elle est top, elle éclaire super bien. En plus, bon là il fait jour, donc un peu compliqué pour voir comment ça éclaire, mais elle est super top. Et franchement, j'aime beaucoup beaucoup. Et elle est très 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 très, très sympathique. J'aime bien. Voilà. Donc on va descendre parce que la cuisine est en bas et en fait toute la partie vie est en haut. Moi, en fait, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Donc on y va et on va prendre un petit café. C'est parti, let's go, allons-y. Il n'y a plus d'eau. Eh oui. Là, voilà. Demain, je vais retourner à mon école. Et franchement, je suis content parce que l'ambiance a l'air super. Donc, ça, c'est cool. Et je pense que vraiment, ça va être une super année qui m'attend. Et ça, c'est bien. Par contre, en effet, j'aurai moins de temps de faire des vidéos.
sachez-le. Mais bon, écoutez, c'est comme ça hein, en même temps. Mais j'en ferai quand même, j'en ferai. Et puis voilà, je mets de l'eau. Et oui, parce que le café sans eau, c'est pas du café. Hein. Sachez-le. Non mais c'est vrai qu'il faut de l'eau pour faire du café. On est d'accord. Franchement, j'adore faire ce genre de vidéo. Sachez-le. C'est un truc que moi je préfère. Donc j'ai plein de mugs. D'ailleurs, sachez-le, les mugs, c'est pas que pour du chaud. Hein. On peut en faire pour le froid. Les sirops de menthe, par exemple. Moi j'adore le sirop de menthe. Des choses comme ça. Donc ça c'est possible. D'accord ? On peut faire. Parce que c'est vrai que souvent, on garde les mugs que pour le chaud. Mais en fait, non. On peut faire aussi. Avec les mugs, on peut mettre du froid. Donc voilà. Bon, c'est dimanche. Voilà. C'est tranquille. C'est posé. C'est chill. Tout complètement. Et puis on va attendre que le café se fasse. Et oui, le café qui coule. Voilà, le café qui coule. C'est beau ou pas beau de voir du café qui coule, je sais pas. Hein. J'aime pas du tout parce qu'en plus moi je mets encore du sucre, on dirait que je suis un enfant. Mais franchement, le café comme ça sans sucre, moi c'est pas possible, vraiment pas. Et puis voilà, donc je pense que je vais poser la caméra. Voilà, comme ça c'est bien. Très bien. Voilà. Et puis en fait finalement, vous savez quoi? J'aime bien. Vraiment. Et en fait, je pense qu'il faut. Il en faut plus des vidéos comme ça. Où on peut en partir. Ouais, en totale liberté, en totale. Voilà, comme ça. Et puis moi j'aime bien. Franchement. Dites-moi en commentaire, hein. Parce que si vous aimez bien ce genre de vidéo là. Donc là déjà je teste pour voir si c'était sucré ou pas. Parce que je me rappelle plus si j'avais mis du sucre. Mais je pense pas. Oh, j'aime pas le café sans sucre. Mais peut-être parce que le fait que je suis encore pas encore vraiment un adulte, vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, c'est comme ça. Mais ouais, en tout cas, sachez-le, j'adore faire des vidéos comme ça. Et donc, du coup, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Juste, vous voyez, pas forcément qu'il y ait soit des vidéos réactions, soit forcément un truc bien précis, vous voyez? Une petite vidéo chill, une petite vidéo où on papote, où vous me suivez un petit peu, là par exemple en train de faire un petit café, par exemple. Mais pas que, vous voyez, ça peut être vraiment ouais, des petites vidéos. En plus, c'est vrai que je vais partir en vacances, et oui, avec mon copain, on va partir à La Rochelle et un petit peu à l'île de Ré, donc il a prévu qu'on aille faire du vélo. Oh, ça fait tellement longtemps que j'ai plus fait de vélo. Oh là là, bon, ça s'oublie pas, hein. Mais le truc... C'est que pour faire du vélo et qu'on a Oreo avec nous, c'est mon chien. Vous le connaissez, hein, Oreo. Je sais pas où il est. Ah ben, il dort. Il est là. Regardez. Il est là. Hein, Loulou ? Ben oui, hein. Tu vas venir avec nous, hein. Oui, à La Rochelle. Oui, il va venir avec nous à La Rochelle. Et alors, avant, j'avais un panier qui se clipsait sur le vélo, sur le guidon du vélo. Et du coup, on peut mettre le chien à l'intérieur. Le truc, c'est que, il n'a jamais fait ça. Donc il a jamais testé ça parce que finalement on m'a volé mon vélo à l'époque, donc du coup j'ai plus de vélo, mais mon copain a deux vélos et donc du coup bah avec ces deux vélos on pourra faire. Il y a un truc avec la caméra, non c'est bon, ça c'est il faut que je fasse attention parce que des fois je regarde plus le retour que vous en fait et l'objectif, donc ça il faut faire que je fasse attention. Je bois un petit café, vous voyez, avec les vacances, avec moi ma reprise du travail et tout, mes futurs collègues, mes futurs élèves, tout ça, il y aura plein de sujets de vidéos lifestyle comme ça et du coup c'est pour ça que je me dis bah, pourquoi pas franchement faire plus de vidéos comme ça parce que bah, j'adore ça tout simplement et sachez-le, c'est le contenu que je regarde moi. C'est-à-dire que moi, sur YouTube, je ne regarde pas de vidéos réactions. Je regarde des boss love comme ça, pour moi, plaisir, voilà. Mais les YouTubeurs que j'aime, c'est ceux qui font du lifestyle, c'est ceux qui font des vlogs, c'est ceux qui parlent de leur vie, c'est ceux qui parlent d'eux-mêmes. Et c'est un truc que j'adore. D'ailleurs, en parlant de soi-même, dernièrement, je suis en train de me dire, est-ce que peut-être mettre par écrit mon histoire de l'adoption de ce qui s'est passé avant pour laisser une trace, vous voyez, et même si ça va être dur parce que c'est pas facile hein, parce qu'on va parler de plein de choses compliquées, d'attouchements sexuels, tout ça et tout, ouais ça va être compliqué, mais j'ai envie, vous voyez, de laisser une trace.
Et donc, du coup, j'avais pensé, alors j'ai marqué parce que, en fait, sur mon téléphone, je m'écris à moi-même, mais c'est par exemple, quand je m'écris à moi-même, c'est pour donner des idées, en fait. Je sais pas où écrire, je pense dans l'application Notes, il n'y a pas de souci. Mais des fois, c'est plus rapide par message et j'ai tellement l'habitude d'écrire des messages. Donc, du coup, je m'écris à moi-même des messages et du coup, c'est en mode, voilà, pour moi. Alors, j'avais pensé à travers un enfant. Et en fait, on verrait à travers un enfant. Moi en fait à travers moi tout ce qui s'est passé, mais je trouve que c'est trop réducteur et du coup j'avais pensé à travers l'enfant de l'océan parce que je viens de l'océan Indien et l'océan on va dire c'est aussi ça peut aussi parler à des enfants qui se sont fait adopter à travers des îles, des choses comme ça, parce que la culture de l'île de la Réunion créole, même au niveau culturel, tout ça peut correspondre à d'autres personnes qui vivent aussi sur des îles. Voilà. Et donc, du coup, c'est pour ça que je me suis dit ça. Mais en même temps, j'étais en train de me dire, je suis pas tout seul dans cette histoire. Il y a mon petit frère et ma petite sœur. Donc, on est deux. Et encore, deux, on ne sait pas. Parce que, comme je sais pas, j'avais fait une vidéo sur mon père biologique. Et il y a eu d'autres. Il a d'autres enfants. Donc, peut-être que le père biologique de mon frère a aussi des enfants, donc voyez un petit peu, voilà. Et donc du coup, je me suis dit, ben, peut-être les enfants de l'océan, ça peut être sympa comme titre, mais je sais que ça va pas être facile, et surtout, on va dire, ça va pas être facile le début, tout le début, c'est-à-dire avant que je naisse, c'est-à-dire la vie de ma mère biologique, tout ce qu'elle a vécu, tout ça, l'adoption en fait, et tout ce qui a provoqué l'adoption, et tout ça va pas être facile. Et puis après, il y a eu des moments dans l'adolescence, par exemple, où pour se construire, où moi j'étais obligée, pas obligée, mais j'avais le souhait de retrouver ma famille biologique, donc retourner les voir, tout ça. Et puis et ben, les difficultés qu'a pu rencontrer aussi mon petit frère, par exemple, qui a du mal à se trouver et à se chercher dans sa vie et être qui il est, voilà, c'est compliqué. Avec ses problèmes, tout ça, et ma petite soeur qui, par exemple, fait un total refus pour tout ce qui est de là-bas. Donc, trois points de vue différents, un petit peu, trois personnes différentes qui peuvent aussi, ben, peut-être, comment dire, j'arrive pas à trouver mes mots, mais aider aussi des enfants qui ont été adoptés, ou même des parents qui adoptent des enfants et qui, du coup, et ben, ont du mal à les comprendre aussi, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Mais donc voilà, donc c'est en pleine réflexion, c'est pas encore fait du tout, c'est voilà, c'est en pensée, voilà, c'est là, ça plane un petit peu au-dessus, et c'est vrai que j'y pense beaucoup en ce moment. Ouais, j'y pense beaucoup, parce que je trouve que c'est bien, vous voyez, c'est bien. Bon, je vois que le temps file, et qu'en fait, je m'en rends pas compte, mais on est tellement bien, comme ça, que je vois pas le temps passer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le fait de papoter, d'être avec vous, tout ça, c'est tellement plaisant, parce que j'adore ça en même temps. Et c'est vrai que maintenant, à force des vidéos, parce qu'il y en a plus de 800 sur ma chaîne, et ben voilà, je suis tellement à l'aise qu'on va dire que je parle vraiment comme si je parlais à quelqu'un. Voilà. Et je te parle à toi, par exemple, derrière bah, ton écran. Voilà, tout simplement. Et je suis avec toi, tranquille, posée, comme une conversation entre copines. Et puis voilà. D'ailleurs, ça, c'est un truc que je comprends pas. Bah. Enfin, si, je comprends à moitié les mecs qui se parlent au féminin. Tu vois, je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'en côtoyer, mais par exemple, je sais pas moi, tu vois, je sais pas moi, de dire elle, par exemple, des choses comme ça. Et. Alors, moi, de temps en temps, je le fais, voilà, mais pas tout le temps, voilà, mais certains le font tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et par exemple, vous voyez, quand je suis avec des gens que je connais pas vraiment, franchement, je vais pas, voilà, dire, par exemple, des petits trucs comme ça, quoi, mais, ouais, des fois, ça m'arrive, c'est vrai, mais je me retiens, vous voyez, je fais pas complètement, parce que sinon, voilà, on va dire, oh mon Dieu, mais c'est une folle, en fait, non, c'est pas... Vous voyez, je dis même pas fou, je dis folle. Vous voyez, c'est un petit peu ce style-là, vous voyez. C'est un peu ça. Mais bon, voilà. Bon, je vais vous laisser. Voilà, je vais finir mon petit café tranquille. Puis après, je vais m'occuper de mon chien parce que c'est bientôt l'heure de sa promenade.
Et puis nous, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Et puis dites-moi si ce format-là vous plaît ou pas. Et comme ça, si ça vous plaît, ben, on pourra en refaire. Mais oui, voyons, complètement. En tout cas, plein de bisous, portez-vous bien, et puis à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.